we all poor. Even if you got money, still looking for more. Why am I buying Rollies? I got 20 for sure. Still connect with you, it's still hitting the drawer. With no J's on, I'm still looking to score. You see, they gave us crack and started waging a war. All these lies, they steady. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En fin de retour, enfin je l'espère. Bon, les dernières sessions, c'était pas ça. On cherchait du bass, on cherchait du broc, mais bon, on a touché principalement du bass, mais que du petit bass. Donc bah du coup, c'est vrai que je vous fais pas de vidéo avec 12 basses de 25. Je trouve que ça a aucun intérêt. Aujourd'hui, sorti en flotte tube. Et ouais, on est là. Du coup, recherche du broc. On sait qu'ici il y a une belle population de broc. C'est surtout du petit brochet. Mais voilà, aujourd'hui on avait des envies de changement, donc on est parti en Dordogne. Et donc on espère que ça va payer. Benji est chaud comme une baraque à frites. Dordogne représente. Yes. Déjà un zizi à son actif, au crank. De toute manière, on va surtout se concentrer sur de la pêche au leurre dur, parce que bah, ça change un peu, tu vois, la pêche du soupe toute l'année au Léman et sur les autres spots. Là, c'est une bonne saison pour le leurre dur, pour la surface, donc on va tout donner. Il y a des basses sur les temps. On verra ce que ça donne si on rencontre des basses, mais bon, normalement on devrait surtout rencontrer du broc. Peut-être qu'à un moment on se concentrera sur les brochets, on va attendre que le soleil sur les basses, pardon, on va attendre que le soleil sorte. Allez, on s'y colle. Ciao. Mais c'est compliqué quoi. Putain, j'ai pris une tape. J'ai accroché dans l'herbier, je tirais un coup pour sortir de l'herbier. Boum. C'est bon ça. Ça a l'air d'être un. Ça pas un bass. C'est quoi? Tu pêches à quoi là? Au crank. C'est beau. Ouais. Ça y est, il t'a vu. Allez copains dans les puisettes. Et il l'a bien pris, hein. Il a les deux triples au bout du bec. J'ai ramené. Ouais, ça a doublé de taille. Hein. Bah en tout cas, deuxième fiche, tu veux le prendre? Non, vas-y. Il a assez souffert, je pense. Allez coco. Mais non, dans le congélateur. Bah, c'est ce que je viens de faire. Je l'ai mis dans le vivier flottant. C'est bien. Le plus grand vivier du monde. Exactement, le plus grand vivier du monde. Je reprends le sport. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ouais, c'est ça qu'on aime. Ouais, mais bon, il y a beaucoup de blancs, il y a beaucoup de petits dans le coin. Je me dis qu'il y a forcément des copains, quoi. C'est un truc de malade, c'est glide bait quand même. Tu fais n'importe. Oh oui. Joli. Ça doit être un blanc qui a sauté. Ah, c'est possible, c'est vrai que ça s'agite. Putain, le mec est polyvalent et tout, il te sort les puisettes. Broc. Aïe, il fait son petit combat, il s'est pas rendu. Ah oui, c'est maillé ça coco. C'est bien maillé même. Ah tiens, une bifle. Et Jacques Fass. Non, non, il est pas prêt, mais laisse-lui le temps, laisse-lui le temps. Sur quoi? Comme quoi ce bon vieux chatter. Hein. Je te la tiens, y a pas de problème. Ouais, ça doit faire ses 60. 10,75. Oh, il est énervé hein. Il en avait pas vraiment envie du chatter. Vu comme il est piqué. Tu veux bien ouvrir la gueule s'il te plaît? Si on se retourne, je pense. Mec. Tu veux une pince? Non, 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 y a pas besoin. C'est juste que je veux pas tout arracher en le sortant, tu vois, j'essaie juste de trouver comment il est rentré. Voilà. Eh, ça fait ses 75 hein. Oh putain, il a un truc là. Pas beau, hein. Oh la vache, il y a une cicatrice mec.
Lui il a mouqué hein, quand il était jeune. Ah ouais. Voilà. Et joli broc. Qui retourne à l'eau. Et retour release. Il n'y aura pas de photo. C'est dommage. Mais si, j'ai la vidéo. Ligation Elec. Oh, avec une ça va. Pour la journée. Ouais, faut la bonne, c'est tout. Poisson. Non, c'est un tout petit broc. Il me l'a pris juste là, à 3 mètres de moi. Ça t'a cloué le bec, mec. Ah, c'est, t'as pu rouvrir. Allez, mon petit bonhomme. Voilà. Loupé. Bah tu peux pas dire à l'attaque hein. C'était une belle attaque mais je peux pas te donner la taille du poisson. Oh poisson minuscule. Bah le même quoi, un peu plus petit je crois même. Et il l'a pris de traviole, hein. Bam. Bon t'as fini ton bordel. Non mais t'as vu la taille que tu fais. Oh il veut me planter les tripes dans la main ou quoi celui-là. Je le décroche et c'est là qu'il dit j'en ai marre d'attendre. Putain, juste là, il vient de faire demi-tour. Ouais, il était là, je l'ai vu, il est resté derrière. Poisson. Sifflet encore. Encore pris. Mais alors, faut arrêter les gars. Encore plus petit, je crois. Et encore un sifflet, tout pourri, tout petit. Ils aiment les cranks. Now it's jail posers and club pictures. Airbrush backdrops and jail visits. This the dope boy song for the dope boys gone. Let them know it's still snowing. You hold on to anything. Some do wrong. They have to do anything. Bon, fin de la session. Bah, on s'est bien régalé. Même si c'était des poissons minuscules, bah, on est venu chercher de la touche. Ça a permis de comprendre un peu comment fonctionne le plan d'eau. J'ai eu la confirmation que Benji connaissait bien son plan d'eau. 4 touches pour lui. Bon, 3 saucisses pour moi. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on est venu toucher, mais bon, malheureusement, c'est un plan d'eau, on le sait, qui a beaucoup de juvéniles. Et bah voilà, aujourd'hui, on n'a pas su trouver les poissons maillés. Il est 13h, fin de la partie de pêche. Moi, j'avais juste la matinée, donc c'était cool quand même de sortir 7 poissons à 2 en. Ça fait 6 heures de pêche. Donc c'est cool. C'est pas mal. On reviendra, on essaiera, je pense, cet hiver de trouver les plus gros. Il doit y avoir moyen de faire des poissons sympas. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, pardon. La prochaine, si tout se passe bien, c'est au Léman. Et bah, je vous dis à bientôt et bonne pêche à tous. Allez, ciao.